on sort de la Coupe d'Europe avec le match de Munster, du match de Leicester, il y a des choses positives, des choses un peu moins positives, comme vous le savez. Maintenant, on est orienté complètement sur le match d'Agen parce que c'est l'actualité et c'est le plus important pour nous. Voilà, on sait que on aura un match difficile, hein. Il ne faut pas penser que ça va être facile. On sait que les Agenais ont déjà préparé le match, depuis 3 semaines. Ils ont complètement zappé la Coupe d'Europe. Ils sont vraiment orientés sur notre match. Donc on sait que Agen a des vrais points forts, notamment avec les avants, notamment ce jeu en pick and go. Ils sont capables de faire des pick and go pendant des longues minutes et ils sont très efficaces là-dessus. On sait qu'ils ont des joueurs derrière, je pense aux deux ailiers qui sont intéressants. Donc voilà, on aura un match difficile. Voilà, on est préparé à ça, on se prépare, on sait comment on doit les jouer, on sait ce qu'on est capable d'engager comme rythme et il faut qu'on arrive à le faire. Il ne s'agit pas juste de le dire, il faut le faire. On a ce bloc qui arrive là qui est fondamental pour nous, c'est-à-dire qu'on reçoit Agen, on va à Oyo, on reçoit La Rochelle, on reçoit Toulon et on va au stade. Ce bloc là pour nous, qui est un bloc, le bloc 3 par exemple, pour nous, il est fondamental, quoi. C'est là où on est capable de recoller ou pas, quoi.